Bonjour Monsieur Fodeta Silla. Oui, bonjour. Merci de recevoir guinematin.com. Vous êtes le directeur de la télévision nationale. Comme on le sait, l'humanité célèbre demain la journée internationale de la liberté de la presse. Pour commencer, dites-nous quel est votre regard sur la liberté de la presse en Guinée. Bon, lorsque j'observe ce pays depuis 2006, je vois un essor vraiment du paysage médiatique avec le foisonnement des médias privés, radio, télévision, site internet. Et je constate aussi qu'au-delà de certains chocs qui arrivent entre les dirigeants et les médias, je constate qu'à ce jour, au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul prisonnier journaliste pour délit de presse dans notre pays. Et ça, vraiment, c'est remarquable, il faut le dire. Puisque lorsque j'écoute les radios dans ce pays, lorsque je lis certains sites, des fois je me dis, mais c'est pas facile notre métier. Des fois j'ai peur. Je me dis, est-ce que nous n'allons pas nous-mêmes, qui sommes chargés de garantir la sécurité et la quiétude de cette population par nos communications, est-ce que nous ne sommes pas en train d'enflammer ce pays et de l'amener vers l'incendie généralisé? Des fois, j'ai peur. Et nous voyons qu'avec tout ça, le gouvernement traite avec toute l'intelligence possible. Et des fois, on entend parler d'arrestation, dans les heures qui suivent ou les minutes qui suivent, on entend parler de libération. Donc je me dis que la presse se porte très très bien dans ce pays, la liberté de la presse se porte très très bien dans ce pays. Ok, donc vous dites que la liberté de la presse se porte très bien, donc vous pensez que les journalistes sont libres, sont suffisamment libres en Guinée? Je le crois, foncièrement en observant ce que je suis en train d'observer sur le terrain. Vous savez, moi chaque fois je le dis et je l'écris sur Facebook, certains croient que la liberté d'expression c'est la liberté d'insulter, de s'attaquer aux gens, d'accuser, de rapporter des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies, et de s'en sortir comme ça, impunément. Et ils pensent que c'est cela la liberté. Non, moi je n'ai pas à ce niveau la liberté d'expression. Votre liberté d'expression ne doit jamais porter atteinte, moi, à mon droit de citoyen. Si votre liberté d'expression que vous pensez sacrée vient à me vilipender, moi, ou bien à me coller des étiquettes qui ne sont pas, et que à la vérification on voit que c'est pas vrai, mais vous devez subir ce que la loi prescrit à cela. Et ici, si la loi se lève pour prescrire cela à un journaliste, nous nous levons tous par solidarité de corporation pour dire nous sommes opprimés. Non, non, non. C'est une question de responsabilité sociale du journaliste d'abord. Vous dites que souvent vous avez peur, donc vous voulez dire que les journalistes sont assez libres d'ailleurs. Donc aujourd'hui, quel reproche faites-vous aux hommes de médias? Ce que je reproche aujourd'hui aux hommes de médias, un, j'ai honte quand je sens que l'outil principal du journaliste n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire la langue de communication. J'ai honte pour mon métier parce que un journaliste est censé être au moins la quintessence de ce que le public a, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'il a. Quand lui communique, c'est le journaliste qui communique. Et là, à tout le monde, pour d'ailleurs le petit peuple, c'est la voix de l'évangile, c'est la voix du Coran. Donc, celui-là doit maîtriser la langue de communication, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et là, j'ai toujours honte lorsque je sens que le journaliste agresse la grammaire et le vocabulaire. Ça se pratique. Et quand on le dit, les intéressés montent sur leurs ergots pour crier.
Alors qu'il devrait être humble et avoir honte et retourner à l'école pour apprendre, pour mériter de ce métier. Ensuite, je vois beaucoup de dérèglements. Le journaliste, nous en tout cas, ce que nous croyons être le journaliste, n'est ni un procureur de la République, ni un gendarme, ni un policier. Il n'est pas là pour donner des jugements complètement finis et puis donner des condamnations complètement ficelées. Alors qu'ici, à écouter certaines émissions interactives ou à lire certains sites, je vois des condamnations directes, des accusations directes. Et les journalistes se mettent en censeur de conscience des autres et puis ils s'imposent en procureur. Ils font plaidoirie, ils accusent, ils condamnent et puis c'est fini et personne ne peut répondre. Et si c'est vérifié que c'est faux, ça trouvera que le mal est déjà fait, même si on a droit de réponse, mais ça trouve déjà que le mal est déjà fait. Ça me fait mal et je reproche à notre corporation de toujours chercher à vérifier l'information, à recouper l'information, ça, sûr, très sûr de ce que nous donnons comme information, et à se retenir surtout de vilipender les personnes, d'accuser les personnes, de juger les personnes sans être sûr de ce que nous disons. Ok, et vous dites que nous sommes libres, mais quand même tout n'est pas rose en Guinée. On sait que nous occupons la queue, tout du moins du rapport rendu par RSF. La Guinée occupe la queue en matière du respect de la liberté de presse. Et quel reproche faites-vous dans ce sens? Quel reproche vous avez à l'endroit des autorités guinéennes? Non, je n'ai pas de reproche à l'endroit des autorités guinéennes. Nous n'avons pas les mêmes calibres d'observation. Et exactement, je n'ai pas aussi les mêmes considérations pour les conclusions des ONG. Non, je n'ai pas les mêmes observations. Pour moi, lorsque on me dit que la Guinée est à la queue, je dis à la queue de quoi? Parce que moi, je n'ai aucun complexe, je n'ai pas d'influence envers ces ONG qui se disent qu'ils sont en train de faire un classement des médias dans le monde. Ils influencent ceux qui les influencent. Et ils influencent ceux d'ailleurs qui boivent à leur source et qui croient à ce que disent. Moi, je n'ai aucun complexe et je ne considère même pas les classements de ces ONG. Vous pouvez être rassuré. La Guinée n'est à la queue de rien et de personne. Ok, M. Silla, concrètement, qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui chez les hommes de médias? Il faut les former, il faut les fermer, les former. Il faut les former et les amener à se respecter. Il faut amener les hommes de médias guinéens à se respecter. Comment? En maîtrisant d'abord la langue de communication, ensuite en maîtrisant les ressorts du métier, ensuite en maîtrisant les textes de loi qui régissent leur métier. Il faut les ramener modestes. Il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas eux qui façonnent le monde. Il faut qu'ils sachent que le destin de la Guinée n'est pas écrit sur leur misérable nombril. Le journaliste doit être modeste. Il n'est qu'un médiateur, prendre à la source et diffuser. Le journaliste n'est pas, c'est pas lui qui régit la vie des autres. Il est là juste pour chercher l'information, diffuser. Généralement d'ailleurs à travers des outils qui ne lui appartiennent pas. Le journaliste qui parle à un micro, le micro ne lui appartient pas, le bâtiment ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui paye le courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye peut-être même pas le véhicule qu'il a envoyé là-bas. Il n'est qu'un modeste outil qui prend l'information et qui diffuse. Il doit être modeste et savoir en toute responsabilité que lorsqu'il parle à un micro, c'est que lui seul est en position de diffusion. Il a devant lui un outil qui transmet à un million, des millions d'oreilles et des millions de cerveaux. Il doit respecter ces oreilles-là qui ne lui appartiennent pas, qui sont des citoyens qui ne sont pas à ses ordres. Il doit d'abord tempérer son ton, il doit arrêter de vociférer, de crier partout. Il doit être sage. Il doit surtout ne pas être incorrect. Il doit se retenir de beaucoup de morale, savoir qu'il n'est rien d'autre qu'un médiateur entre la source de l'information
et les oreilles qui l'écoutent. Ce n'est pas lui qui mène le monde, il n'a pas le destin des autres sur son misérable nombril. Merci, M. Silla. Merci. Gina mateme la gina tisilu demena.